C'est bon. Resident Evil 6. Dites-moi que ça marche. Est-ce qu'il y en a un qui peut me confirmer que ça marche, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai vu qu'il y a eu du mouvement sur PS. Pixel Spray, s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer, s'il vous plaît. Je demande n'importe quoi, un pamplemousse. Quoi? C'est bon? On a un pamplemousse de la part d'Alex. C'est bon? Ah, de Eric Wolf. Merde. C'est bon, ça marche? Ouais, c'est bon. Allez, on balance, je balance le générique de Resident Evil 6. Putain, il est bon. Je l'ai pas sûr non plus. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce playthrough de Resident Evil 6 après 20 minutes d'acharnement. Ça coule. Non. Non, c'est bon. Donc, je suis en compagnie d'Arix Trash 13 qui est maintenant chez la MIB et le BSSA connu sous l'agent T. Espèce de bitch. Et moi-même, donc Sonic B1, qui est la pucelle de service. Non, je suis pas acheté, c'est perdu. Allez hop, on va commencer. On y arrive cette fois. On est bon. Bon, on est des fous furieux, on fait ça en ordre. Non, je déconne. On va pas faire ça en ordre. Alors, on est parti pour Resident Evil, donc... Ah non, quoi ça. Donc, oui, alors, je joue sur Xbox, évidemment. Vous voyez, c'est... Vous voyez cette magnifique interface Xbox. Oh. Alors, Resident Evil 6, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce que c'est un peu nécessaire d'en parler, de raconter un peu l'histoire? Qu'est-ce que t'en penses? Raconter l'histoire. L'histoire, comment? De toute façon, l'histoire se raconte avec la cinématique d'intro, donc en même temps, on peut pas raconter, on va spoil la cinématique d'intro. Exact. Donc, je crois que le mieux, en fait, c'est de tout laisser et de... Voilà. Chargement, magnifique. Le connect. Oui, donc évidemment, s'il y a des problèmes, c'est faites tout remonter, que je baisse la qualité du stream éventuellement. Et de pire en pire, alors oui, je confirme, la truc Xbox, c'est de plus en plus moche, c'est de plus en plus kinectisien. Metroid, c'est métro. Ben, 9 juin 2013, top. Aucun problème, non, apparemment, c'est aucun problème d'après Mr. Cake. Non, not too cake. Ouais, on est bon, j'ai connu autrement. Non, c'est bon, j'ai pas installé la BF Expo pour que tu fasses le doublage. Alors évidemment, si vous voulez le faire, c'est aussi le niveau de la démo. Donc bon, évidemment, essayez de faire chapitre 1 d'ici minuit 40. Bon, si c'est pas passé, je mettrai le lien de la chaîne. Ben, on continuera via la chaîne, mais pas sur Pixel Spray. Donc, essayez de faire le plus vite possible sur Pixel Spray. Tire sur la démo. Oui. Putain, si j'aurais été le QTE, on aurait eu un game over. Fail, premier fail, wouh. 20 secondes de l'intro. Arrête, on est capable de le faire. On est capable de le faire, rigole pas. On est capable. Du temps, la grenadine, pour être exact. T'es sûr qu'il est mort? C'est tout, c'est de ma faute. Attends, super jeu d'acteur. Tout est de ma faute. Ah oui, on fait les doublages. De quoi est-ce que vous parlez? Allez, on double, on est des fous furieux. C'est bon, viens de perdre, c'est Uber. Merci. Non, c'est pas vrai. La cathédrale de Tolox. Non, c'est bon. On fera les... parodie de Paris en Téville, c'est pas... On fait pas comme... Avec comment je m'appelle? Biatch? Ouais. Allez, fais les voix, me crois. Bon, Cake, tu fais une Igan. Cake Fun Service 2013. allez, tu fais une Igan, allez. Non, c'est moi, c'est Sheva. Ah tiens, ça pourrait être une idée de faire le 5 aussi, tiens. C'est bien de tuer le président, Dixit. J'ai tué le président, mais j'en ai rien à foutre.
Évidemment, on ne fera pas mieux que Fanta et Bob, vous allez vous en douter, parce que nous, on est des boulets de Resident Evil, puisqu'on vient juste de finir à l'instant, ce que vous n'avez pas vu, on a fini juste à l'instant Resident Evil 6, la partie Léon. Partie Léon, parce qu'après, il y a la partie Chris, que j'appelle partie Call of, donc j'en ai absolument rien à faire, qu'on va faire Rush. Après, on a Jake et Sherry, donc ça, c'est plus intéressant, je trouve. C'est un mélange des deux, je trouve. Ouais, c'est. Sherry, c'est pour l'instant celle qui m'éclate le plus, hein, enfin. Après, c'est vrai qu'on aurait bien fait ça en split screen, mais le split screen, c'est comment dire, c'est. Elena plus de boobs. Oh. Oui, c'est un. J'ai mesuré. À l'écran, j'ai mesuré, elle a plus de boobs. Je te rappelle qu'il y a des enfants. Environ... C'est pas parce que c'est marqué plus 18 qu'il est minuit passé que c'est. Mais ça va, j'ai mesuré. Ouais. Allez hop, on va commencer plus sérieusement. Aider la partenaire. Ah, par contre, des conseils, ça sert toujours. Genre, votre partenaire, s'il est mourant, vous le laissez faire. Qu'il se démerde, il n'avait pas qu'à faire le con. Yes, succès. Bah, tu rigoles, mais il y a un succès comme ça que tu dois te relever plusieurs fois. Non, mais ça, je l'ai fait par les mercenaristes, tu crois quoi? Ouais, non, mais en fait, tu dois avoir un bonus qu'il y a dans les. Ouais. So what's so special about this church? Oui, je voulais un cookie. Je voulais un cookie un jour. Ah, punaise, on a encore l'inventaire, bon, c'est pas vrai. Ouais, parce qu'on a tout l'inventaire de fin de jeu, donc... Ouais, tant pis, c'est... Bon, par où doit-on aller? Allez, hop, ah oui, la marche. Moi, c'est... Je mène la marche. J'ai mon couteau, je suis content. bonsoir, Valoul. Salut. Ah ben, j'ai déjà dit bonjour. Je m'accoude à la porte. Je suis trop dark. Enfin, on me voit pas, mais... Deal. Alors moi c'est vrai que la première fois que j'ai joué au jeu, première remarque que je vois fait procéder avec vous, le collier qui bouge. Ça sert à rien, mais ça bouge. Hello. Attends, Benoît, je viens de me faire flipper tout seul. Tu t'auto-flippes? Oui, j'ouvre la porte, je vois un putain de tête d'élan. On peut dire que t'as eu une perte d'élan. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait j'ai eu peur de prendre mon élan monsieur. Pour sauter par la fenêtre. Ah bah, monsieur, on se couche pas sur le sol. Et j'ai eu peur de prendre mon élan pour sauter par la fenêtre, donc j'ai eu peur d'élan. Mon dieu. Oh, il est beau, lui. Il est déjà zombifié de base. T'es sûr de ce que t'avances? De quoi? C'est ce qu'elle disait. Ah oui, donc je précise, donc évidemment, parce que Eric Strage, c'est-à-dire ceux qui m'accompagnent, Eric Wolf, ce sont deux personnes que je connais personnellement. Donc évidemment, c'est qu'ils ont des trucs en commun, donc vous étonnez pas si les deux disent des choses que vous comprenez pas. Même moi qui les connais, je comprends pas. Donc ne vous étonnez pas. Donc c'est du troll 4. Ah non. Leon. Attends, il y a des ballons. Arrête. Je sais que là, on a vu sur ta caméra, hein. C'est ce que je suis dans la porte. Après, je vais mettre un but à Elena. Non, pas le but. Attends, papa. Et c'est le but! Je ne suis pas du tout responsable de ce qui se passe avec lui, je décline toute responsabilité. Hey, Elena, t'as vu, j'ai marqué un but! Ouais! Ouais, ben, allez, ouvre-moi cette porte. Tu vois l'un d'eux, aim for the head. It's your best bet. Oh, ouais. D'accord. Je vise la tête. Non. Ça c'est débile. Il faut pas viser la tête. Surtout pas viser le petit doigt. Non, faut viser les jambes. Le petit doigt. Non, les jambes. This is where the reception was gonna be. C'est comme la force de Yu-Gi-Oh! Ça ne vient pas de son talisman, ça vient de son pantalon. Non, arrête. Arrête tout de suite de dire ça, s'il te plaît. Mais tu connais pas le truc? Non, tu m'expliqueras hors ligne, s'il te plaît. À la fin, c'est pas son pantalon, c'est ses chaussures. Ah oui. C'est parce qu'il a de bonnes baskets comme Sonic, c'est pour ça que Sonic est cool. Bon, en tout cas, moi je sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser un peu à Harry Potter. I know. C'est quoi? La salle de buffet. Rigole pas parce que. Ton armure! Non, y a pas d'armoire, on se calme. Ah, y a une ombre. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Bien sûr. Y a une ombre, y a un éventuel zombie qui peut nous décapiter en un coup. Qu'est-ce qu'on fait? On court après, c'est logique. Enfin, décapiter en un coup, tu sais, je me suis fait mordre au moins une trentaine de fois dans le jeu. Tu te souviens pas dans Resident Evil 4 dans le 5? Ah oui, mais là, on va prendre... Je vais prendre comme exemple Resident Evil 4 parce qu'il y a Léon, c'est tout. Léon. Just... Léon.
Léon. Attends, alors oui, moi je me promène aussi souvent dans les couloirs hyper moches. Oh, vas-y, vas-y. Oh, vas-y, écoute-toi, ton boobs. Oh. Attends, attends, j'ai bien contre la luminosité, j'ai pas dit est-ce que j'ai des orteils. Oui, juste deux instants, j'aurais que la luminosité. Attendez, j'aurais que la luminosité parce que c'est juste. Voilà. Oh, bah, il tombe. Oh, ouais, finalement c'est moche, attends, je crois que la luminosité. Parce que j'ai pas pensé du tout à contre la luminosité. Resident Evil, c'est plus que c'était de nos jours. Hein. Ah bah oui, Survival Horror a évolué. Des poubelles qui tombent, c'est censé faire peur. Voilà. Ah là, je vois mieux là directement. Bon, moi sur mon écran de télé, c'est hyper moche, mais sur l'écran de stream, c'est plutôt bien. Je voulais vous demander aussi, vous, sur le chat, oui, vous qui nous regardez, oui, toi. Je pense devant toi. Ah, est-ce que c'est moi Sonic qui parle, hein? Qui sont, je sais pas. Si. Ouais, bref. En fait, je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait justement, comme l'a dit Sonic Bear, de regarder le suite du stream peut-être. Ah oui, donc j'en pensais, bon, hors émission évidemment, ouais. C'est de faire un after où on continue le chapitre. Donc ça vous tente. C'est un qui sont intéressés, on continue la suite. Voilà, donc. Parce que bon là j'ai envie de dire le chapitre 1, c'est vraiment le chapitre où on s'ennuie, mais Max c'est pas des plus passionnants. Après dès le chapitre 2 ça commence un peu à être intéressant. Donc c'est pour ça que voilà quoi, donc si vous voulez, faites-le nous savoir si vous comptez regarder la suite sur la chaîne personnelle de Sonic Bear. Sur ma chaîne, ouais. De Twitch TV bien sûr. Bah oui, ça va pas être le truc de... Is that your daughter? C'est votre fille? Non, depuis tout à l'heure, il dit c'est... Non, c'est pas vrai. Leon, we don't have time. Je sais pas, j'ai l'impression que le... On n'a pas le temps. Si, on a le temps. On va le prendre. Là, toi aussi, t'es... Non, on n'a pas le temps. Si, je suis le chef, je suis perso principal, on fait ce que je dis. J'ai l'impression que mon chat a bugué. C'est toi. Alors moi, juste par moment... Ah oui, mais le problème, c'est que moi, vu que j'ai augmenté la luminosité, faut que je baisse la luminosité sur ma télé. Mais bon, ça, c'est que des tarifs. Est-ce que... C'est quoi, dernier... Dernier message pour toi de, sur le chat. Pourquoi pas la suite de Donut. Donc oui, donc ce sera sur la chaîne Twitch. Hein, c'est après bon pour moi. Non. Moi, non, ça vient de laguer. C'est le dernier message que j'ai eu, c'était... Oui, voilà, c'est bon. Moi, c'est pour... Oui, bah, c'est... Non, oui, d'accord. C'est, j'avais au moins un retard de 10 messages. Ça arrive. Finesse, fait noir. Sonic a-t-il donc des orteils? Non, il parle, non, il parle de... Sonic, il y a des soirs. Non, la foule. Non, je déconne. Ah oui, merde. Bah, tiens, on peut se poser la question pour toi aussi. Hein. Très drôle. Tu les avais mes orteils, tu te les ai souvent pris. Tu le sais très bien. Et en plus, tu sais très bien que je suis du genre, dès qu'il y a un truc, je suis du genre me cogner partout. Allez, viens. Mais pourquoi tu tires? Ah oui, donc... Ballon. Du coup, venez voir de toutes les armes du jeu. Qu'il y a dans le prologue aussi, donc... Crise d'épilepsie time. Bon, de toute façon, vous verrez pas. Alors du coup, j'ai quoi dans mon inventaire? J'ai trop d'objets dans mon inventaire. Hey. Bon, je vais me placer devant lui exprès, t'es. Je peux te soigner. Non, j'ai toute ma vie, c'est bon. Osef. LOL. Allez hop. Oh, il y a une porte, elle ne grince même plus. Ça faisait tout son charme dans Resident Evil. C'est dommage. Oh, mais tu l'as dans la suite. Que le boss de fin se tienne à carreau, j'ai mon couteau. Ah, c'est couteau-man. Non, c'est fermé, on peut pas continuer. Non. Qui depuis les titans, t'es obligé de le voir. Non, je vois pas. Et quand même, quand tu penses, ça fait un peu Fantasybot parce que t'as toujours aussi. T'as le sérieux et t'as le fou. Donc c'est lui le fou, j'aurais remarqué directement. Ah merde, je peux pas faire d'esquive. Ah, oh, c'est scripté ce début de jeu. Alors bon, je recharge toutes mes armes. Ah oui, au fait, pour ceux qui aimeraient bien suivre l'histoire, qui n'ont pas envie de faire Resident Evil 6, mais de suivre l'histoire, qui sont fans de Resident Evil 6 que pour l'histoire, enfin, ça apporte pas grand chose à l'histoire, mais bon, pour suivre le fil, on vient de trouver le monsieur, c'est le directeur de lycée, et il va retrouver sa fille, Willis. Qui est probablement morte, violée par des zombies. Arrête de dire ça, c'est ce que... Arrête, tu vas tirer pédobire. Je viens d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Mais cette puissance... Et ça me rappelle une autre phrase. Vous l'avez tué et... non, il était mort et vous l'avez tué. Voilà. Alors évidemment, comme... bon, si vous avez déjà regardé des playthroughs de Santa et Bob, bon, c'est vrai que vous allez dire, ouais, c'était plagiat. Plagiat. Non, oui, on plagie et on c'est marrant. On plagie et en plus on fait ça en live. Attends, bouge pas. Mais arrête de faire le show avec les armes.
Attends, mais non, mais regarde-moi deux secondes. T'as intérêt. T'as deux secondes. Mets-toi de face, quoi, pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce zoom. You'll need to get that face to get there. Bon, punaise, mais moi je commence à m'infecter. Oh les mecs, bon, vous savez quoi, on vient d'arriver dans le lycée. On vient d'arriver dans le lycée, techniquement, vous avez pas d'armes. Ah, 47. On n'a pas d'armes, mais on a un pistolet, un hydra. Alors oui, si on commence, normalement, on est censé avoir que le pistolet avec le chargeur plein et l'hydra avec 6 balles. Pour lui. Enfin, pour oui, elle, pour moi, après, pour donc, Léon, il a un 5-5-5, et un couteau. D'accord. Ouais, ton pistolet. Non, ah non, c'est un wing shooter, non, je confonds avec, ouais. Avec Jake. Pardon. Je vais le doubler. Non, mais arrête de courir. C'est comme les bots dans Mario Kart, tu peux pas le doubler. Ah, tu crois quoi aussi? Oh, du piano. Non, attendez, il y a du sang sur la porte, on passe en premier. Ça fait que tu regardes encore mon écran là. LOL. Attends, regarde mon écran. Non, regarde mon écran. Non. Regarde mon écran. D'accord. Non, je. Quand je te disais qu'elle avait plus gros bout. Thomas, arrête. Sérieusement, arrête. Ça le fait pas. Ah, si, non mais si tu fais ça sur Resident j'avais prévu de faire Resident Evil 5 la semaine prochaine, je crois que plutôt je vais faire GoldenEye. Laisse-moi passer en premier, je vais lui tirer dessus. Je vais tirer sur tout le monde. Ah oui, ah, je suis arrivé, je suis... Oh putain. Non. Cachette. Tu es là. Oui mais... Tais-toi. Alors quand même, t'as pu notifier que j'ai tiré une balle tout à l'heure. Donc est-ce que si on lance une grenade avant, est-ce que techniquement on peut la tuer? Et comme ça, t'as eu tous les embrouilles du début. Pas que tu peux tirer. Ah si, je viens de perdre une balle. Allez hop, cette fois-ci on passe devant. Non, je passe devant, je vais te doubler. Chauffeur. ouais, non. Ah oui, donc l'inventaire, on en a pas du tout parlé, c'est pas sérieux. Donc on a l'inventaire qui est normalement censé être vide, mais là, comme vous remarquez, il est juste plein. Donc avec les traditionnelles herbes rouges et herbes vertes, on a après les armes, pour changer toutes les armes, aussi là je vais spoiler à mort. J'aime spoiler. Je plaisante. Donc après ça n'empêche pas quand même qu'on prenne Resident Evil 6 et que vous fassiez Chris et Jake. Hein. C'est toi qui as cassé les trucs? De quoi? C'est toi qui as fait péter les trucs? Une caisse qui s'est cassée. Si, il y a un truc qui s'est cassé. T'as cassé un truc. Dégagez le chemin. D'accord. C'est quand même graphique. Oui, bah dégage le chemin. Attends. Il veut que tu dégages le chemin et t'es encore là. Tu peux arrêter les blagues lourdes, s'il te plaît. Ça fait pas, quoi. I'm glad you got. Si vous voulez qu'il arrête les blagues lourdes, tapez 1 dans le chat. Faites-le savoir. Pour savoir si je le mute. Non, je peux. Non, je vais pas le muter, mais je vais le baffer mentalement. Et ça, c'est drôle. Et si vous voulez qu'il reste à la maison des secrets, tapez 18. Envoyez Pixel Spray au 3615 MyPixel, 3615 Militel, tapez Pixel Spray. Et faites votre vote. Je tiens à rappeler qu'Eric Wolf, le nom. Ouais. On a dit une fois et pas de spam de chat aussi. Okay. C'est bon. C'était une mauvaise idée en fait. Oui, une très mauvaise idée. Lise, c'est pas que mais t'es une sale tronche. C'est pas pour te vexer mais t'es une tronche. Oh, t'es morte. Oh, quand oui, tu viens de mourir et que l'autre va prendre ton corps et que t'as le virus C qui va t'envahir. Spoil. Non, c'est pas du spoil. T'as dit virus quoi? Le virus C. T'as dit le virus. Non, T, virus T. Non, T comme tata, T comme toton. T'es sûr que c'est le T celui-là? Oui, c'est virus tati tout tata toto. Ah, le virus C c'est peut-être plus tard, ouais. Spoil. Non, mais attends, c'est marqué alors sur la jaquette que la jaquette je l'ai devant moi. Si j'arrive à l'attraper, elle est trop loin. Jaquette. Le virus C se répand sur toute la ville. C'est marqué noir sur blanc sur la jaquette. Hein. Blanc sur bleu. Virus. C'est marqué virus C. Bon. Ah, bonjour madame.
désolé si je fais du spoil, mais bon, Virus T, si tu réfléchis un peu, c'est ceux qui se cristallisent. Virus T, c'est le zombie de base. Non, putain, Tom. Je tire dessus ou pas? Je tire dessus ou pas? Ouais, quand même. Merci. T'es comme t'es dans, t'es dans la merde. Tiens, pauvre du plomb. Ah oui, et c'est comme quoi? Et c'est comme quoi? Ah oui, c'est comme quoi? Après, il y a quoi comme notre virus? T'as le virus T, t'as le virus C. Okay, la virus Umbrella, je crois. Virus Umbrella, non mais c'est sérieux d'avoir fait tous les Resident Evil là. J'ai fait que 4, 5, 6. Et après le 1, je te signale qu'on l'a vu ensemble dans les trucs de parodie. Le 2 ou... Faux. Si. Non mais Virus Umbrella, non mais mec. Non ouais. Ah oui, ma culture de... Ah moi j'ai pas dit une bonne culture. C'est prompt. Spoil. Pas d'affaire. Non, moi je suis censé utiliser l'hydra à ce moment-là. Mais vu que j'ai pas une munition d'hydra, on va faire comme si c'était l'hydra. Rien à faire. C'est comme cake. Non mais attends. Moi je demande un roulement de tambour pour cake, hein, parfait. C'est un cake, c'est. Hey kick. Finesse. Ah mais finesse, je me branche contre un corps et en plus c'est. Couteau. Ça dit couteau. Fait. Couteau. Surtout il vient pas m'aider. Allez, toi, c'est cru dans Assassin's Creed. Non, prise de catch mexicain. Oh mon dieu, il est mort. N'espoil pas sa fin de vie, enfin. Ah, de spoiler la fin de vie des gens. Ah, t'es mort. Alors, comme ça, tu te relèves. Non. Oui, non. Plus. Ouais, comme... Ah, c'est comme ça fait chier, oui. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? C'est comme ça fait cannibale. Comme cannibale chez Kun. Non, oui, ben, j'ai pas si. Pensé à ça du tout. Ça, c'est comme, dans comme canard. On va finir bientôt. Armé. Cannibale, comme dans l'ambiance de Resident Evil 6. Je vous rappelle que c'est des hommes avec une maladie qui bouffent d'autres gens. Imaginez-vous, lundi matin, oh, maman, j'ai pas envie d'aller au lycée ou n'importe où. J'ai la grippe. Et d'un coup, tu te m'as bouffé ta mère. Ouais. C'est une bonne démonstration de ce qui se passe. Ben, moi, j'appelle. Si c'est pas du cannibalisme, ça, je sais pas ce que c'est. Help! Je sais pas, on va les aider. Oh, je sais pas, j'hésite. Tu vois les pieds derrière eux? Eh ben, c'est Chuck Norris. Non, c'est pas Chuck Norris. C'est comme Chuck Norris! Alors, tu vois, les mecs, ils auraient fait help, pas nous. Tu vois, ils se seraient tués, ben, ils auraient peut-être survécu. Allons-y. Alors d'habitude, t'en as un qui dit, à chaque fois ils disent l'inverse l'un de l'autre, c'est assez marrant, ils se contredisent chaque fois, c'est bouillé. Ah, je sais. Tu vois, ça aurait été vraiment Chuck Norris, il aurait pu tuer tous les zombies du jeu. Non mais je t'explique. Avec sa pancarte. Non mais Chuck Norris, déjà dans notre Resident, quand il y a Chuck Norris, c'est les zombies qu'il faut sauver. Let's get the hell out of here. Ouais, je sais, bon bref, on va rester avec Chuck Norris parce que ça va pas aller loin. Voilà. Oui, voilà, le virus CTG, voilà, enfin, voilà, dans ce jeu. C'est le virus C, c'est dans ce jeu. Enfin, mais de toute façon, le problème, c'est que dans le 6, il n'y a pas de documentation, mais ils sont pétés les plombs. Il n'y a pas de documentation. Et dans le virus T, bon ben. Virus T, quoi. Virus, un zombie, virus quoi. T, c'est le virus T, c'est Dragon City. Voilà. C'est non, ça, oui, enfin, non, c'est un zombie de base. Voilà, virus C, c'est ouais, virus T. Non, dis, virus c'est... T, c'est le zombie de base. Ah, on a oublié des trucs, en vrai, peut-être. Oui. Et après, le virus G, c'est genre Nemesis. Pas content. Ouais, le 3. Enfin, 3, il est à peu près de partout, hein. 1, 2, 3. Ouais. Dans le 4, je crois qu'il s'injecte aussi. Enfin, je sais plus qui c'est qui s'injecte, le c'est militaire Wesker. Là. Ah oui, Crozer. Allez, on spoil aussi le 4, voilà. On spoil le 5, c'est bon, on spoil tous les Resident Evil avant le 6, c'est bon. Bah écoute, là on est censé faire le 6, c'est-à-dire ce qui s'est passé juste après. Ouais, le 6. Donc on peut spoiler, c'est bon, mais le 6 on n'a pas le droit de le spoiler, même si on le spoil depuis tout à l'heure. Spoil vers le passé. Ouais, on a fait un spoil vers le futur. Retour vers le spoil. Ah, une plante verte, c'est ce qui me manque un peu niveau munition. Oups, pas fait exprès. Pardon messieurs, j'ai pas voulu vous déranger. Sorry. Par contre, on va sûrement faire un... Oups, pas fait exprès, disais dans ta tête. Oups, pas fait exprès le high kick.
Ah, t'as une derrière. On va sûrement, comment dire, faire des... Oui, on va souvent faire des combos corps à corps, on va souvent être corps à corps parce que... c'est pas ça que je veux parler, mais des castings, voilà. Pour savoir qui va faire toutes les voix off du jeu à part Léon et Elena. Ah, parfait. J'avais une belle... Est-ce qu'il y a de la concurrence? Voilà. Bon, évidemment, classique, plante rouge, plante verte. Attends que je me soigne. Ah oui, par contre, quand on se soigne, on peut profiter son copain. Hein. Évidemment, sinon c'est pas drôle. William, William Birkin, oui, c'est dans le 2, ça. William Birkin, c'est Birkin. L'obsession radicale contre tes profions. Tu veux mon coup de pain? Ben, tu fais ça, déjà, alors que c'était pas un prof, c'était un étudiant. C'était, mais bon, c'est pareil. C'est, si c'était le prof, c'était pareil. Non. Je crois qu'il parlait de la canette, la solution que la solution radicale. Non, non, c'est... Je sais pas. Non, je te rappelle la solution radicale, Kay, si tu l'as vu, c'est dans Lollipop Chainsaw. Tu veux voir un prof? Oui, arrête de trébucher sur le corps. Ah non. Non, c'est pas un corps, c'est un corps qui m'est sauté dessus. Et c'est lui qui a trébuché sur moi. Ça arrive. Et hop, j'en ai marre, on fait... Tu veux voir un prof? Ça, c'est le prof, tu vois. T'arrives lundi matin, tu fais ça à ton prof. Voilà. Je crois que... Oh putain. Je crois que tu m'as... Alors oui, alors il va plus au lycée, on sait pourquoi. Tu sais pourquoi tu vas plus au lycée? Ah putain, c'est moi depuis tout à l'heure, je t'ai équipé du magnum. Je suis un peu oublié. C'est ça le problème du coup. Oh, une plante, une autre plante verte. Excellent. Ah bah c'est parfait, j'ai de la place pour mon inventaire, c'est bon ça. Pistolet qui a pour 12 ou tout. Bon, chargé. J'ai pas chargé. Ah voilà, on a des balles pour l'hydrant. C'est parfait. Avec les, avec le la première partie du chapitre 1. Mais ça, franchement, ça c'est le. C'est chiant. Bah, d'un côté, c'est aussi un peu le niveau de la démo, donc j'ai envie de dire ça, c'est le niveau de la démo, donc tout le monde dit ouais, c'est bon, on connaît. C'est... Franchement, si ça tenait qu'à moi, on aurait commencé dès le chapitre 2. Mais bon, vu qu'il y a une partie du 1 qu'on voit pas, qui... parce qu'on va dire, t'as 50% du chapitre 1, hyper chiant, c'est là où il y a la démo. Oh, jolie élimination furtive. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont un peu, moi je trouve que ça, c'était une mauvaise idée de mettre ce niveau-là dans la démo, enfin un truc genre scripté justement dans la démo. Parce que c'est genre, oh mon dieu, c'est scripté, si tout le jeu est comme ça, ça va être chiant quoi. Ah, t'as bien vu Chris, et après après Chris, bon, c'est aussi un peu scripté, j'ai envie de dire. Et Jake, c'est... Ouais, Jake, vraiment, c'est je pense qui... Aïe, j'ai encore trébuché. J'ai pas fait exprès. Non, monsieur. Oh, double. Oh, magnifique. Motherfucker. Ah là c'est bon, moi j'ai récupéré toutes les grenades, c'est bon. Il était mort, vous l'avez tué, prend tous ses sens. Exactement. Tous ses sens. Il est mort, il vous l'avait tué. Ah mais il était mort avant. Vers où dois-je aller? Attends un bruit. Hey kick. Ah j'adore Elena. C'est vrai que ça fait très très horreur hein, ce passage. Ah oui, non mais en fait on a l'impression de jouer avec, dans Resident Evil 5 avec toutes les munitions limitées. Ah, là de toute façon que ça soit dans l'un ou dans l'autre c'est pareil. Get to the security gate, it'll lead you. Oui, je passe le bureau et les objets ne tombent pas, c'est comme le coup de la nappe que tu tires et les assiettes restent dessus. Bah, moi de toute façon je suis passé sur les tables, c'est dépassé, je passe sous la table. C'est comme si en fait. La bouteille. Ah, moi ça me fait marrer le coup de la bouteille. C'est ce que... Par contre le gigot hein, il reste en place. Hein, c'est du gigot d'agneau, ça tient. Tu vas voir mon petit four. Mais quand même c'est bien pensé qu'on puisse passer sous les obstacles quand on peut, je trouve. Hein. Ça c'est bien pensé, je trouve. Oui, non, mais je te disais, Cake, c'est comme, comment dire, l'histoire de la nappe et les couverts. Bah là, c'est pareil, sauf qu'en fait, je suis les couverts. Ou en fait, non, c'est la nappe qui passe par-dessus les couverts et les couverts ne bougent pas. Ça, ça peut aller loin, cette histoire. C'est comme, ouais, attention. Passer sous la table, eh oui. C'est pas équitable. Ah, je crois que t'es un peu dans le souci, mais j'ai pas envie de te venir t'aider. Ah en ouais, plus, c'est t'es trop loin de mon maître. Tu vas te faire. Alors voilà comment ça marche la cop chez nous, t'es trop loin, je t'aide pas.
J'ai un allié, moi. Oh, il y a une plante verte et une plante rouge. Oui, est-ce qu'il... Ça. Là. Ah, punaise, j'ai plus de place. Non. Ah oui, au, bout passé, au début du jeu, tu dis j'ai trop de place, et à la fin du jeu, je dis j'ai pas assez de place, non. Alors moi, je suis pour de balancer toutes les munitions qui servent à rien, genre le calibre 12. Je viens de balancer, je viens de passer en glissant sous la table, calibre 10. Dans les barreaux. Non, ça, j'en ai pas besoin. On va faire le jeu comme si j'avais pas les munitions, donc c'est-à-dire j'ai qu'un chargeur et le calibre 9. Dans les barreaux. Je viens de me prendre un barreau entre les jambes et il est passé à travers tout le corps. Ça arrive. Attends. Preuve en direct. Ah. Ah oui, aussi, quand on a trop de plantes vertes dans son dans les en bas à gauche, bon, ça se voit pas parce que... Preuve en direct. Là, oui. J'ai le barreau entre les jambes. Je passe à travers. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, oui, donc, on a des tablettes de soins que on a un chacun, ces tablettes, et... on soigne l'un par rapport à l'autre. Enfin, pour soi. Donc, si on est à côté, on en fait profiter l'autre. Ça, c'est bien. Il lui lâche les lèvres. on partage les tic-tacs, ça, c'est bien. Avec la laine. Ah non, c'est bon. Sorry, arrête de faire les sous-entendus, surtout quand il va voir Chris Pierce. Je me trompe pas. Non, mais c'est pas ça. C'est juste avec la laine. Genre, soigne-moi. Ça va mieux. Arrête, t'avais pensé à un épisode de Doctor Who, c'est quand ils sont sur... c'est l'épisode 2 de la saison 1, de la nouvelle saison. Enfin, la saison 1-2, si je me trompe pas, c'est quand ils sont à la fin de l'univers, quand la Terre, elle explose. Et qui disent, ça fait partager mon haleine. Ah oui, c'est très intime, pour les armes. Alors écoute, Cake, non, quand tu as... plus de place dans ton inventaire pour de l'herbe, en fait ce qu'il y a c'est que tu vois, en fait tu peux les combiner et ça... Alors regarde, donc tu vois, donc là c'est combiné, sauf que j'ai déjà 13 tic tac dans mon inventaire, dans mon truc de soins instantanés, sauf que j'ai déjà la vie pleine, donc il faut que je sois en 10 ou moins pour en rajouter des tablettes, en faisant soit par inventaire VR plus R, et dans la démo j'ai découvert que en rejoignant la démo que, en faisant RB plus X ça marche aussi. Tu sais pas raconter. J'en ai rien à faire. C'est mon live, je fais ce que je veux. Si j'ai envie, il y a des pingouins qui dansent, qui font la Macarena. Ah ouais. Ouais, je mets des pingouins qui font la Macarena si j'ai envie. Non, que j'explique vraiment. Bon, toi, explique, toi, t'es un peu dans tes villes, c'est bon. C'est ce que tu veux entendre. En fait, c'est maximum par stack de 6. Mais moi je te parle de ce que t'as dans ton pack. C'est-à-dire ce que t'as directement en accès avec RB directement. Laisse-moi finir. Non. On dirait mon père, s'il te plaît. Bon, bah ouais, c'est le but. Attention, ça a pété. Je t'ai prévenu, j'ai fait péter un extincteur. Oui, donc je dis, c'est un stack de 6 maximum, enfin de 6 mentos maximum. Oh, une plante verte. Et en fait, tu dois les mettre dans les distributeurs de tic-tac. Et tu peux en mettre, enfin, une fois que ça dépasse les 10, tu peux plus en mettre. Donc tu peux en avoir 15 maximum. Enfin 16. Ouais. 14. Aïe. Si tu comptes bien. Ah non, puisque je peux avoir 9 plus 6, ça fait 15. Attends, je suis en S, je sais ce que je dis. Ah, parce que j'ai dit 16, oui, mais je sais pas si ça s'arrête à partir de 10. Non, si c'est 10, 1 plus c'est 16, si c'est 10 plus c'est 15. Non, mais c'est 15, c'est... Enfin bref. Si je me prends ma race, c'est juste que j'ai plus d'endurance, mais putain. Ah oui, donc au bout de l'endurance, tu fais un peu le French Canton, ça sert un peu à rien. Moi, je sortis le fusil à pompe. Parce que il y a une mission... Ah ouais, fusil à pompe. Parce que dans Resident Evil 5, au moins, on choisissait ses armes. Oui, ah oui, si tu veux, en futur, évidemment. Sponsorisé par Joe Willem. Donc certains comprendront. Ah oui, il faut que je tire sur le mec. Oui. Qu'est-ce qui se passait si j'ai raté mon QTE là? Bah j'aurais tiré dessus, il aurait crevé. Punaise, ma quête. Ah oui, donc après QTE, je sais pas pourquoi ma manette elle se met à trembler. Ça peut... Ah punaise, tu utilises un tic-tac, t'aurais pu me le dire. Je te l'ai dit, mais tu m'as pas entendu. Exact. T'aurais pu répondre. Oui, mais tu connais pas mes capacités culturelles.
sur Resident Evil, je te signale toi, t'as vu les films, moi je me limite pour l'instant au 4, 5, 6. Parce que moi j'ai pas été... Non mais je te parle de Alex. Enfin, de Alex Wolf. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait je pensais qu'il y en avait dans ma tête, pas pourquoi j'ai dit 6, mais dans ma tête il y en avait que 5 par tablette. Ah oui. Donc c'est pour ça que je disais 9. Oh, regarde, il y a un 5, truc bleu. Mon dieu, je sais pas, attends, je vais essayer un truc. Vas-y, mais de toute façon c'est simple. Aïe. Ça marche pas. C'est cru pour Johnny Hallyday. Je vais me soigner. Mais justement, on va contrôler. J'ai 10 tablettes. J'ai 10 tablettes sur moi. Ouais, c'est ça, on peut en avoir 16 max. Puisque c'est 10 inclus. Dis, Elena, tu me fais un câlin? Non. Le câlin que le zombie, que le président voulait. Je prends la carte magnétique. Ça brille, je prends. Non, mais tu restes couché. Tu restes couché. Non, comme ça. C'est mauvais. En tout cas, c'est bien, ça se décompose tout seul. Ah, bonjour madame. Comment t'es beau ? Je te coupe les jambes ! Je te coupe les jambes ! Allez, toi, tu vas se coucher. Ah oui, nouveauté de Resident Evil 6, c'est que, voilà, on peut bouger en se déplaçant, il y a tous les mouvements, c'est... Aide-moi, je vais te couper les jambes ! Je vais te couper les jambes ! Reviens ici ! C'est bon, arrête de t'acharner sur... Putain. À chaque fois, je me fais avoir. Et je parlais de toi, hein. Non, mais toi, tu vas voir si tu mets ton high kick dans ta tronche. High kick. Bonjour, monsieur. Oh, punaise. Ça veut dire un coup de pied haut. C'est un coup de pied haut en anglais. Très drôle. Ah ouais, et tiens. Très drôle. C'est pas une blague. Aïe. Oh là là. À l'aide. Merci. Appreciate it. Go make me a sandwich, woman. Non. Punaise, mais toi t'as un boulet de trébucher sur tous les corps toi aussi. Hein. Ah screamer zombie. Hey, boy, naked guys. Non, c'est pas plus d'iPay. Ah, donc il va être minuit 40, donc on va donc le film sur PS va s'arrêter, donc je vais mettre le lien de la chaîne, donc parce que ça va pas tarder à couper sur PS, donc voilà. Donc si ça coupe, vous venez directement là. Et vu qu'on a commencé avec du retard, et vu qu'on risque de faire un after aussi. Ah bah bravo. Au cas où, dites-le sur le chat si donc, ça coupe, de bah, toute façon j'ai mis le lien, donc on met sur pause, on fait les tralala. On fait les vidéos. De toute façon c'est simple, je vais voir passer des viewers à 1. Ok. Ouais. T-bag. Non, passe. Je viens de petit bague une corde. Ah punaise. Bon. Non, non, non. Mais ça aurait pu inquiéter. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Reste loin de moi. Ah bonjour monsieur. Ah, là je suis un peu dans le rouge. Je suis un peu dans le... Hop, un spray. Pixel spray à la rescousse. Okay. Oh joli, joli coup de marteau. Ben en fait, c'est que je pense pour pas spammer le chat, ce serait mieux d'aller sur Twitch. Après, je sais pas ce qu'en pense Sylvain, mais bon. C'est sûr que ce serait mieux sur Twitch. Ah, ah non, oui, non, mais ça a coupé. Ah, ça a coupé. Donc, alors pour Twitch, donc. Ah, donc après je pense que c'est mieux le chat Twitch. Eh, je me vois en double. Ah ça, tu te vois en double. Ah, ah oui, puisque t'as mon écran et t'as ton écran, effectivement. Oh. Donc, ah ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour avoir une bonne note, c'est ça. Par contre, si je serais toi, je m'éloignerais tout à l'heure. Ouais, les hommes d'abord. Et non mais c'est pas ça, je cherche d'abord le chat. Twitch. Ne pas d'où. Oh, comme ça. Ouais, c'est un peu saccadé, mais bon. Franchement, je pensais non, si je trouve, c'est un câble S-Vidéo pour faire du 720. Non, ça va, c'est pas saccadé, je trouve. Moi, je trouve que c'est bien. Ouais, mais c'est en 480, mais je peux améliorer jusqu'à 720. Faire du HD, quoi. Et puis le petit time.
Allez, passe. Allez, je te laisse l'honneur. C'est quoi ce smiley? Ah mais ça c'est fluide, c'est normal, c'est les jeux console par PC c'est fluide, donc hein, c'est jeu PC ça l'est moins. Bah ah oui, on donc tout à l'heure j'ai posé une bombe, donc je propose qu'on fasse un feu d'artifice. On dirait Ribéry avec une moustache, la perruque de Lady Gaga. C'est peut-être le cas, j'ai envie de dire. Donc moi je joue avec ce score, j'en ai rien à faire. Mission. Les Ribéry avec une moustache. Sims legit. Bonjour monsieur, vous avez une... I love you, Hannes. Oui, facepalm. Faceplant. Rate la plante, elle était innocente. Bon, ben, run. Take a right up ahead. Tournez à droite, t'as entendu le GPS. You're over there, keep running. T'as entendu le GPS, faut courir. Attends. Non. Il s'est éclaté sur les escaliers, le pauvre, je l'ai se relever. Rien à faire. Attends. Teleporting Leon guy. Bon. Non, y'a pas de clés. Allez, cherche tes clés. Mais où sont les clés? Je suis en FPS. Sont les clés. T'es sûr? Là-bas, elle est dans le boîte à gants. La boîte à gants. Mais non, elles sont toujours là-haut. Regarde, là, je regarde. Là-haut, au-dessus. Non, elles sont dans le boîte à gants. Là-haut, elles sont toujours là-haut, ces clés. Ah merde, ah oui, faut que je les prenne. Ah oui, mais faut. Oui, parce que c'est. Ce qui est bien, c'est que le fait que je joue Elena, spoil pas trop. Parce que ça spoil, mais au moins, il n'y a pas les QTE, il n'y a pas le lock. Avec. Dans ta poche. Ah oui, mais pourquoi tu fais le dans ta poche? Tu crois qu'on aide? Il est attaché. Oui, je crois. Je te ferai le coup de la panne, biatch. Go! Eh oui, parce que c'est lui qui décide quand on part, donc s'il peut, il peut rester une heure à dire t'es attaché. Oui. T'as une heure. Ah oh, ben c'est bon. Non, je pense qu'on doit commencer vu qu'on est en ligne. Tu pourrais fermer la fenêtre, chérie. Bonjour monsieur. On a des clandestins. Attends. Est-ce que c'est les zombies qui mettent le feu aux voitures? Et même, le mec fait des tonneaux. Pourquoi la voiture explose? Et les mecs, ils sont toujours vivants. Américain, c'est américain, tu peux pas test. Alors là, la démo elle se finissait là. Parce que nous on est des fous furieux, on terminera pas la démo, on terminera le jeu en 5 heures. Allez, d'ici 6 heures on aura fini le jeu. On va pas spoiler à fond le. Allez hop, viens voir les. Allez, viens, je veux aller voir les tortues ninja. Oui, attends. Non, ouais, je faisais. J'ouvrais le chat de Twitch en. Bon. T'as vu? Allez, viens, on va voir les tortues ninja. Ouh. Tortue ninja. Oui, c'était ça. Nettoyage du voiture, monsieur. Monsieur, je vous lave la vitre. Y'a plus de vitre. Bah après, je laisse le logo Pixel Spray. Oh, ça fait. Si je fais jouer. Ils m'ont pris ma vitre et puis leur tête. Non. Alors là, tu rêves. I'm fine. Hey baby, I love you, Hannes. Super, you did the hole. Un rat. Dishonored. Contrôle de. Pas cher. Ah ben c'est vrai en plus. On est. Je sais pas, faut demander pas au pro Dishonored. Parce que moi j'ai pas joué. Non mais c'est vrai, on n'est pas loin de Noël. On a besoin d'une dame pour Noël. Tu crois que les rats ça ferait de l'affaire? Ah, ça va y réfléchir. Ah, aussi, je voulais demander à ceux qui regardaient sur le chat. Oui. Rick, Wolf. J'adore. Ah oui, mais Léon, il s'embête pas. C'est... Non, j'ai pas envie de laver ma voiture. Je change de voiture. Ah oui, attends. Il faut trouver la logique dans la voiture. La voiture était ouverte. Avec les clés à l'intérieur. Mais c'est des voitures de police, tu cherches pas à comprendre. Alors bon, là, c'est on va pour rafraîchir, c'est un flashback, c'est que par rapport au président Adam, c'est que par rapport à Big City, voilà, il menaçait de tout raconter ce qui se passait à Raccoon City. Donc évidemment, il y a Léon qui dit ouais, bon, je vous soutiens. Parce que je suis un peu votre bras droit, donc je vous soutiens toujours. Non. Ce qui se passe, c'est que, oui, voilà, il voulait expliquer, ça tu l'as raconté. Ce qu'il y a, c'est que le virus, que ce soit T, c'est, à part le plagas dans le 5 qui est en Afrique. Non, c'est le 4, le plagas.
Oui, le Plagas, oui, en Europe et en Afrique. Ouais. Et ça, c'est autre chose. Mais bon, je parle du virus qui est resté qu'aux États-Unis. Donc, le reste des pays du monde n'est pas au courant de cette infection. Et donc, ils voulaient le révéler au vrai reste du monde. Mais ouais. Réfléchissez aux conséquences que ça aurait eu. Voilà. Bon, c'est vrai que d'un côté, tu dis, ouais, il y a eu des infections en Amérique. Bon, parce que je vous rappelle, Raccoon City, après, ça a explosé, ça n'existe plus. C'est rayé de la map. Arrête ce smiley, s'il te plaît, Cake. C'est mais il est bien ce smiley. J'ai l'impression d'être regardé par je sais plus moi, comment il s'appelait déjà ce mec qui joue dans le Mac. Ouais, c'est José Garcia. José Garcia avec nos moustaches, bah, c'est normal quoi. Oh joli glissade. Bah finalement oh putain j'ai trop de place. j'ai trop d'objets, c'est la valise. Alors voilà, dans le 4, on faisait bien ses valises, on apprenait à faire la valise de Léon correctement. Là, dans le 5 et le 6, dans le 5, t'as 9 cases, tu te démerdes. Vous avez 9 cases chacun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, t'as 10 cases d'inventaire, vous vous démerdez. J'ai tué un rat. Ouais. Bon, allez, c'est pas cool. I love trains. Attends, il est là. Mais regarde, il y a le rat là. Il est là le rat. I don't care. Voilà, on va y voir. C'est le rat. T'as vu, regarde là. Il y a un rat là. Regarde. Je m'en fiche. Il y a un rat. Eh, je te l'ai dit, j'aime les trains. Oh, contre-attaque aussi. J'ai déjà dit, mais j'aime les trains. I love your highness. What do you like? I like sweeties. Yay, training sweeties. And you? I like train. Oh no, wait. Poum. Non, t'as l'habitude de manger. Merci. Merci, bro. C'est le kiff. Quand même, il y a le métro, mais il n'y a pas de métro. C'est louche tout ça. Il y a le métro, mais il n'y a pas de métro. Oui, on est dans une salle. Oh, il y a quoi? Non. I like train. Il s'est fait. Mais quel poulet. Mais non mais je t'explique, en fait c'est que je suis en train de massacrer un zombie à... Non, j'ai tout vu. Non. Tu tapais un zombie. Oui, justement, c'était en train de faire l'attaque spéciale d'Elena qui... Et t'as le train qui arrivait à ce moment-là. Du coup, c'était un magnifique fail. Non, Sacha ne s'est pas fait zombifier, crois-moi, c'est juste... Non, tu dois... Cake, rappelle-toi de Attends. La... Attends, Benoît. Oui. Quoi. Attends, est-ce qu'il parle de cette cascade? De cette cascade, je veux dire. Y'a le train! Viens voir après. Oui, j'arrive. Est-ce qu'il parle de cette cascade? Attends, j'arrive. Oui, c'est la blague de passer Elena. Y'a un train, Elena, et passe Elena. Est-ce que tu parles de cette cascade? Ah non, c'est pas celle-là, elle est rouge, celle de... Oui, elle est rouge, celle de H. Non, elle est bleue. Ashes to Ashes. Non. S'il te plaît, j'ai l'impression que en voyant l'action que tu joues à League of Legends de blessé. Bon, ben. Ah oui, parce que je vais préciser, il est spécial. Ah, toi, tu joues beaucoup à LoL, donc apparemment, tu aurais pas une team là, que tu disais, ouais, je fais des matchs spécialisés, c'est pour ça qu'on est obligé de. Tu voulais justement qu'on commence pas à 10h40 et qu'on commence à 11h40. Donc en fait, on aurait pu. Ben, en fait, c'est juste que je voulais faire des. Encore ce soir, j'ai pas eu le temps d'en faire des solo duo, donc. J'ai pas eu le temps d'en faire, mais bon. J'ai en effet quand même. Ça pourrait être grave. Ah, un toutou! Ah oui, les zombies les toutous! Les zombies les toutous! Les zombies! Alors, le mieux pour les chiens, moi j'ai trouvé rien de mieux que de rester couché. Non, moi j'ai trouvé rien de mieux que de leur donner un bon coup de couteau dans le cul. Oui, mais ça c'est la solution à tout, le couteau. Regarde le couteau. Tiens. Regarde le chien, voilà. Arrête de les attirer, tu attires les chiens. C'est pas vrai. Oh les chiens, pour vous calmer. Eh ouais, le survival horror a évolué. Maintenant, tu fais chien, tu es chien. Moi, je me permets de gaspiller une balle, pour rien. Nato, bon. Finalement, en fait, j'ai des munitions, j'en reprends, je fais n'importe quoi avec ma gestion de munitions, c'est pas possible. C'est pas sérieux, tout ça. Oh, y'a un monsieur qui est en train de se faire manger. Bon, c'est pas. Monsieur, on joue pas avec la nourriture.
Oui, voilà, je voulais vous dire. Juste savoir. Ici, il y a dans ce chat, c'est qui a déjà été fait résenter visite à part Eric Swolf. Eric Swolf, on sait parce que voilà, c'est entre guillemets. Non, c'est pas comme si t'avais le même début de pseudo, mon cher agenté. Mon cher Léon. Non. J'ai envie. Maqué. Arrête, t'as pas la tenue de mafieux italien. C'était mexicain. Ouais. Non, tu fais mal les Mexicains. Alex, arrête. Bien sûr, il perd le mot. Non, je suis pas en forme aujourd'hui et je crois que je suis infecté par le virus. Allez, moi je plante ma canon aiguille dans le genou. Tiens. C'est devenu un zombie à bord de ciel. Aïe. Il a plus de tête, hein. Je tiens à préciser qu'il n'a plus de tête. Mais il me brûle. Ah, plein de points d'habilité qui serviront à rien. J'aime bien comme je suis répondu dans le chat. Oh, non. Maintenant, ça parle de... Ah, ça tourne mal, tu sais. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, c'est toi qui parles de hachiche. Non, on parlait de hache. Pourquoi ça marche plus? Ah ben c'est malin, il n'y a plus de batterie. Alors ça, ce petit moment de flip, moi ça me fait marrer, t'as la lumière qui s'éteint. En attendant, pour combler le blanc du chat, t'as pas compris la question. Non. En fait, j'ai demandé tout simplement qui a testé dans le chat, Resident Evil 6. Ceux qui sont présents, qui a déjà testé Resident Evil 6 pour... Que ce soit la démo ou le jeu complet. Non, ça, je alors, je répète, qui a joué à Resident Evil 6? Ça a le plus. Au 6, parce que le 5, on s'en fout, il est passé. Le 4, on s'en fout aussi. Bah, si. Ouais, non, mais là, on parle du 6, ça peut être vrai. Qui a joué à Resident Evil et auquel? Ouais, je demande ça, serait plus, ce serait mieux comme question, genre... Bon, à quel Resident Evil on a joué au 7-8? Ah, il y a encore un train. Pas encore. Bah, t'as la lumière d'un train. Et t'arrêtes de tirer sur ses ombres. J'ai trop joué à The Darkness sur le PS1. The Darkness... C'est un jeu que j'étais un gamin. Ah ouais, on est pas. Que t'avais des ombres et que tu te faisais bouffer par des ombres. Oh putain, il y a un train. Il est où? Ah bah je suis pas sur la bonne voiture. C'est-à-dire, mais punaise, y a pas de QTE, y a un train, j'ai encore me manger le train. Non, j'étais sur la bonne voiture. J'étais sur la bonne voie. T'avais deux voies donc. Donc une chance sur deux d'avoir un train. Putain, y'a trop de monde. Grenade. Si tu vas de l'autre côté, t'as pas un QTE. Et si tu es obligé de crever, il faut être obligé d'être sur cette voie pour... J'ai déjà testé. Oh, prise de catch. Ouais, non, mais cherche pas, Kate, il est bizarre. C'est... J'ai éduqué comme ça, mais... Non, ah, oui. Alors, oui, donc, Kate, je t'ai pas prévenu, mais voilà, c'est... Je suis entouré de pervers, donc, voilà. Macarena. Vous pouvez nous retrouver, alors on fait la petite pub qui sert à rien, vous nous retrouverez au TGS. Hein, pas vrai mon cher T. Tu nous retrouveras au TGS. C'est qui toi? Je sais pas. T'es qui toi? Il y a des filles, il y a des gens comme ça. Some men just want to watch the world burn. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que y a mon ampoule de lampe de bureau, elle est rouge. Ça commence à faire flipper, elle devient rouge de plus en plus, alors que c'est éteint. Ça fait flipper grave. Ah, c'est ma souris. J'ai la pompe, j'ai un lance-roquette. Tu as la pompe, j'ai un lance-roquette. T'as si j'ai encore le lance-roquette dans l'inventaire par rapport à tout à l'heure. T'imagines, j'ai encore le lance-roquette. Je sais pas si tu peux l'avoir régulièrement. Je crois pas que tu peux l'avoir. Non, je l'ai pas. Oh, je le suis là. T'as cru que c'était le fusil lui limité de Resident Evil 4? Oh, c'est sympa. Un lance-patate, ah ouais? Ah oui, lance-patate! Eh ben moi j'ai lance-patate fois 2! Putain, à chaque fois je me fais avoir pris. Non, lâche-moi! Ah oui, QTE, non, QTE! Ah oui, donc là, évidemment, ce type de QTE, que là il y a une barre bleue, si on le fait au bon moment, ça lui explose sa tête! C'est moi qui ai un couteau, ça compte pas. Ouais, mais moi j'ai fait un coup de talonnade. Ouais, c'est bon, c'est ouvert.
Nous avons des poneys et des cookies. Non, 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 on n'a pas de poneys. Arrête de dire ce qu'on a des poneys. Arrête, tu vas exciter les poneys. Non, rigole pas, en plus, tout à l'heure, tu te souviens de Small Horse que je t'avais montré un jour, Amnesia? Je t'avais dit, bah, c'est la suite, j'attends la suite. Oh, mais j'ai testé la suite, c'est vraiment trop n'importe quoi. Oui, je sais, j'ai vu, j'ai vu. Alors après les poneys, si tu me dis que t'es un brownie, bah, j'ai un peu du mal à te croire quand même. Parce que j'ai un peu du mal à croire que la communauté t'ait accepté sans faire trop de trolls. Non, je veux pas savoir ce que tu as. Oui, des poneys, on a des petits poneys roses volants qui se, s'entretuent entre eux. C'est des poneys de combat. Ah ah. Mon dieu, un zombie. Je m'attendais pas à voir ici. Franchement, c'est un lieu où on s'attend pas du tout à voir des zombies. Hein. Non, comme ça. Bon. Et franchement, j'espère, moi, d'ici la semaine, retrouver GoldenEye, parce que je pense que je vais le faire en live ou Perfect Dark. Franchement, sur la 64, là, on va faire un bon vieux live nostalgique là, sur la 64, avec les bons FPS, les vieux FPS. Là, parce que je suis, en ce moment, je suis en train de faire GoldenEye Reloaded, c'est-à-dire le remake du remake de GoldenEye. Ben, je trouve que c'est trop, ça a été trop influencé par Call of. Et ça, ça craint. Oui, je sais. Ben, attends, rien que t'ouvres une porte normalement, ça te fait un effet ralenti moche, c'est dégueulasse. Non mais, on arrête de parler de ça, on arrête de parler de ce qui moche. Bon alors. Non, c'est pas des Pokémon. Alors, retournons sur les Antilles ici, c'est un peu mieux. C'est Ponyta le Pokémon qui ressemble à un poney, c'est Ponyta. Et moi je te parle avec des ailes. Et avec des ailes, tu peux voler. Je pense pas que elle, ça s'écrit avec deux ailes. Non, c'est qu'une un L. Non. Si. Non. J'ai un dico à côté de moi parce que tu sais à quel point je suis analphabète. J'ai un problème d'occasion, tu le sais très bien. D'ailleurs, tu sais que certains peuvent confirmer que sur Skype, que des fois j'ai un dictionnaire à côté de moi et que je regarde régulièrement certains mots que vous dites parce que je comprends pas. Et mais voulez-vous, moi je suis. Même que parfois je vomis. Ouais, ça c'est quand t'es content. Ouais, quand je suis content, je vomis. Il y a des caisses. Oh, ça sert absolument à rien de glisser sur les caisses. On a que deux personnes qui nous regardent. Trois. Enfin, moi j'ai le compteur qui est inclus dans, dans le logiciel. Ednut. Allez. Non, ah, t'as pas une bombe à placer par hasard? Ah, je peux te soigner. Ah non, ouais, c'est... Non, mais j'ai full vie, j'ai full vie, j'ai full vie. Bon. Vas-y, commence à ouvrir, Pétasse. Aïe. T'as vu ce téléphone? Allô, ouais. Non. Non, attends, j'ai un SMS. Ah non, tu peux pas voir, ouais. Attends, mets-toi sur pause, regarde à quel point tu envoies des SMS. Attends deux secondes, j'envoie un SMS. Attends, je suis au téléphone avec ma femme. Ouais, désolé, je suis en mission et tout. Non, ça c'est ton. Le lui ouvre la porte. Le lui ouvre la porte. C'est quoi, quoi. Non, mais ouvre la porte. Non, c'est quand je... Même si j'ai essayé, une fois je suis resté plus d'une demi-heure sans lui ouvrir la porte. Elle reste pendant une demi-heure à taper sur la vitre. Alors, elle fait plus vite le tour. This way. Arrête de te mettre à couvert. Non, je cherche quelque chose de drôle à faire. Pourquoi je m'attends au pire? Attends, t'en bouges pas. Non, on n'ouvre pas la porte, je le sens. Ça fera rien si on n'ouvre pas. This way. Des tripes et des morts. Ah ouais, tu veux des tripes? Ah derrière moi. Ah ouais, tu veux des tripes? Tu vas en avoir des tripes. N'ouvrez pas, madame. Tu vas être content, tu vas en avoir des tripes. Attends, attends, je te le dirai quand elle va tuer. Attends, t'as pas encore un peu. À couvert. Non, je vais pas sauter. C'est pas grave. Ça arrive. Hey, kick. Tiens, en plus je te donne un coup de pied dans le genou. Oh, et en plus il en est mort. Ça c'est magique. J'aime quand il meurt d'un coup de pied au genou. Ah, j'adore quand les zombies meurent d'un coup de pied au genou. Ah, y'en a plus épique. Ah ouais, moi ma barre d'endurance elle est quasiment vide. Comme ça.
Eh monsieur, monsieur. Faut que la police. Faut que la police, j'ai pas de ticket. Good. Faut que la police. You can reach the street. Mais, tu fais mal ton travail, Léon. Moi je passe comme tout le monde. Non, pas moi, fuck la police. Okay. Oh Magnum. Des balles de Magnum. Non mais s'il te plaît quoi, on a des balles de Magnum à ce stade là du jeu. C'est trouver des balles de Magnum s'il te plaît. Bah là, c'est des balles de Magnum. C'est ça. Là. 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 Je... Ah non, c'est juste que c'est toi qui as looté. Ah c'est pas lourd, oh, moi j'ai des balles de Magnum. Ben on va jeter ça. Il y a certaines chances de pop de munitions. Et moi disons aussi que j'ai une habilité qui augmente ça. Ben moi aussi j'en ai un. Ouais. Ah oui, pas... Eh ouais. C'est... ResidentEvil.net. Ah oui, ça, faut... ça, à la fin de l'émission, je montrerai le service ResidentEvil.net. Parce qu'il est assez pas mal, je trouve. Il est pas mal. Parce que toi, t'es pas inscrit dans ResidentEvil.net. T'es pas inscrit. Non, pas encore. Ah bah, tu parles de quoi, là, Eric Wolf de... Le PNJ, tu te souviens quand l'autre a dû ouvrir. Ah, là, ils, oui, en oui, oui, oui. Ils en ont profité pour faire un militant de chargement. C'est comme dans... Comme tu... Oh, c'est Balo, tu m'as loupé. Oh... Alors là, c'est toi qui t'es... Là, tu pourras pas dire que c'est moi, c'est toi. Ah oui, bah c'est l'habitude, à chaque fois que je shootais, je l'embriguais. Et à chaque fois que je fais ce que je fais, c'est toute sa vie. Ah, je suis mort plusieurs fois ici. Oui, donc, alors, ce qui fait le plus flipper ici, ce sont les voitures. Parce que les voitures, c'est le pire ennemi dans ce niveau. Monsieur, arrêtez de vous acharner contre voiture. Une fois, j'ai eu des bugs avec les voitures tellement je laguais. Mais ça, c'est ça qui est drôle. Et une fois, attends, je vais vous montrer là après. J'arriverai un moment, je vous expliquerai, mais c'est... Ah, toi, t'es déjà là-bas? Ah oui. Oh, t'es un fou furieux. Ah, j'en charge. C'est bon, messieurs, on vient vous aider. Voilà, le gars il est mort parce qu'il s'est pris la moto dans le genou. Voilà. Non, non, il s'est pris la moto dans le dos. D'ailleurs, je pense sur ResidentEvil.net, puisque ça fait des événements en ce moment, c'est de finir le chapitre 1 le plus rapidement possible avec Léon, en jouant Léon. Ah punaise, il a une armure intégrale, Oh non, lance-lui, Léon. Bah, c'est que je peux pas le one-shotter, je peux pas lui faire des headshots. Comme ça. Voilà. Ouais. Il n'y a plus personne. Voilà. Ah, on est sous le feu ennemi. On se casse. Qu'est-ce que le feu ennemi? Bah oui, il est là le feu, il y a du feu, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Ouais. Bon, on va prendre des grenades. Bon, moi je dis soirée barbecue, les enfants. Évidemment, le petit moment qui fait un peu flipper, genre. On peut te dire que c'est pas le pied. Ouais. Barbecue. Ah, bon, celui-là il est pour moi parce que c'est moi qui stream. Avantage de celui qui stream, c'est moi qui fais les exécutions. Moi qui fais les plus belles exécutions. Faudrait déjà que tu saches encore comment font. C'est dégueulasse, Cake. C'est vraiment dégueulasse. Oh putain, il avait comme un ninja lui. Aïe. Non, non, lâche-moi, lâche-moi. T'es pas mon genre de mec. T'es pas mon genre de mec. Ah punaise, et l'ordi qui se met en veille à ce moment-là. T'as vu que c'est un jeu PC, hein, que après c'est un jeu... Voilà, jeu PC, ouais. C'est bien, c'est que c'est un jeu console. Non, 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 lâche. Oh, t'es mort. Comme ça. Il a rencontré Suzette. Eric Wolf, il a rencontré Suzette. Hein? Bah oui, c'est bon. Tu disais le chat un peu. Ouais, oui, je...
Ah oui, alors lui c'est... Non, 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 mais arrête, je vais lui casser la hache. Ah, ça peut être une belle exécution. Bon, lui on va laisser manger un petit peu. Hein. Bon appétit, bien sûr. Je tiens à préciser que le mec qui se bouffait, on voit aucune marque. Hein. Est-ce que tu as des marques de ton côté? Parce que moi, peut-être c'est le fait que je suis en 80p, 480. C'est moi qui m'éclate, c'est la... T'aurais pas dû tirer dessus, c'est la... l'expression du mec à la bouche grande ouverte. Lol. Ah, il est à l'âge des munitions. Alors comme ça, t'as pas envie. Mon favorite. Vas-y, je te le comme ça. Rien à faire. Vous remarquerez que je fais la... Dire. Je fais monsieur, puis-je vous aider à vous prendre un mur, en tête. Alors comme ça, voilà. T'es un zombie. C'est à ce moment-là, là, après, tu vois. Voilà. Tu vas sur le train, voilà. Non, c'est moi qui passe en premier. Alors là, franchement, tu penses que tu continues d'être tout droit? Eh ben, bon, je descends en premier. Non, voilà. Là, c'est à ce moment-là. Tu vois, t'as la voiture, là. Elle arrive là, et je vais ajouter la vie tellement... La voiture. Putain, j'ai oublié. Enfin, moi aussi, j'ai oublié. Alors, oui, on peut mourir comme ça. Oui. Bon, sauf que moi, je savais que ça allait arriver, mais toi, mais par contre, toi, tu l'oublies souvent. Demandez à Exo, je meurs au moins 3 fois ici. Alors, d'affilée en plus. D'affilée. Attends, t'es mon d'affilée c'est... Ah, t'es vraiment un boulet, quoi. T'es un boulet. Tu vois la voiture qui démarrait en arrière tout à l'heure. Ouais. Mais un jour je laguais tellement, et là j'étais en train de jouer avec toi. Bah oui, on était ensemble, que t'as dit que tu voyais que le mec. La voiture était invisible, vous voyez un mec assis, les jambes allongées, bien devant, vous voyez la tête faire 360 degrés, et le mec reculait. Bon attends, j'étais dans mode FPS. Je peux pas m'en empêcher de faire. Mode FPS. Pouch. Voilà, je t'ai dit en mode FPS. Tu peux me dire merci. Ah, sympa, hein. Ouais, ça c'est le classe, le mode FPS. Bon, on continue. Attends. Non. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je crois qu'il est en train de répondre à... Faudrait déjà que je maîtrise. Exact. Espèce d'illégal. C'est pas bien de mentir. Bon, testons un peu les autres armes. Non, c'est Écoute, Eric Swartz, il y a déjà des motivateurs à faire des blagues aussi pourries que ça. L'Hydra. Franchement, l'Hydra, ils ont abaissé la puissance, mais c'est hallucinant. Bon, c'est bon, allez, j'avance un peu sans toi, parce que tant que tu... Non, ce qui se passe, c'est que l'Hydra, en fait, dans le 5, il tirait toutes les balles en même temps. Non, mais dans le 5, ouais, c'est... Non, ouais. Ben oui, t'avais 3 canons qui tirent en même temps, oui. Ouais. Alors que là, t'as plus rien. C'est fermé, non. C'est fermé, trouvez la clé. Nouvelle épreuve de Fort Boyard. La clé, prends la clé. Vite, vite, la clé. Prends la clé, j'ai la clé. Vite, faut sortir, il y a la clepsydre. Merde, la clepsydre. On a dépassé la clepsydre, il y a la boule qui est venue me chercher. Non, je ne veux pas aller en prison. Tiens, prends ça la boule. Bon, t'es où, Nazmi? Tu fais quoi? J'arrive. Tu fais quoi? Moi, je viens de me faire la boule. Là. Tu voulais m'emmener en prison. Non, le père Fougas, tu m'amèneras pas. Alors, vous voyez quand même que le zombie, là, tu as précisé, il se prend pas les balles. Ah, il vient de s'inscrire. Voilà, le zombie, il prend pas ses balles. Il prend pas les balles dès le début. Oh, joli. Lui, excuse. Oh, c'est du guetta rush. Bon, maintenant on a le droit d'utiliser le fusil à pompe parce qu'ici on récupère le fusil à pompe. Niark, niark, niark. Parce que tu utilisais pas dès le début toi? Non. Oh, il y a le monsieur qui se fait manger. Bah évidemment je prends à ce moment-là. Ah oui, parce que toi tu l'avais déjà montré une fois que je te disais quand l'aéroport ça. Alors moi je trouve que ça fait trop épique. Moi je reste là comme un couillon à l'attendre. Et je trouve que ça fait trop épique. Franchement, il faudra que tu regardes la rediff. À ce moment précis, tu vois. Y'en a un là-bas. Attends, merde, non. Attends, je me mets à ta vue.
Oh oui, effectivement. En mode FPS. Léon. Il est mort. Ah, punaise, on finit. Prends une punaise. Ah non, je me suis pris une punaise dans le genou. Non. Genre de monsieur qui se sont des mini-boss que je vois une shot au couteau. Non, tu es bon, je sais pas. Monsieur, comment c'est en rouge-gorge? Cuit, cuit, cuit. Je veux dire qu'il va être cuit, cuit, cuit. En tout cas... Bon, vas-y, moi je reste ici avec mes copains les zombies. Hein. Ah bah il est déjà mort. Voilà. Putain, mais je t'ai dit, amuse-toi un peu avec. Ah ouais. Oh, double high kick. Oh, double meurtre avec un high kick. Bon, en fait, ils sont hyper... Alors, est-ce que cette fois, tu vas y penser aux zombies? Est-ce qu'il va y penser? Non, il n'y a pas pensé. Je suis pas allé assez loin pour, en fait... Aïe. Merci. Ah, parce qu'il y a un zombie qui s'est suspendu au plafond. J'ai balancé le tuyau dans le vide. C'est pas grave, il y a des choses qui arrivent. Tu prends du coup, dans le mur. Alors, à chaque fois, tu oublies ce zombie-là. Alors, premièrement, c'est... Ah, là, il est mort. Alors, et ça, à chaque fois, tu l'oublies. Il oubliait. Donc, et moi, je disais, écoute, t'as oublié ce zombie. Oh, putain. Comme de quoi, c'est ça aussi. Mais... Vous allez voir une rediff de ce stream? Bah, je l'ai enregistré comme on avait fait pour le premier live qu'on avait fait ensemble. Mm-hmm. Il passera en rediff sur PS. Oh yeah. Hey baby, I love you, Hannes. Prepare your deadly hole. Non, arrête, c'est pas... Arrête de faire comme ton image Skype, c'est pas bien. Alors voilà, moi pendant que je m'occupe à pousser ça, lui il s'éclate avec les copains les zombies. Avec mon AK-47. Non, t'es pas censé avoir ton AK-47 à ce moment-là. Comme une piatch! Eh, mais tu m'en laisses un peu quand même, hein. Ah, je crois que t'es un peu t'as besoin d'aide. Parce que moi, je vois quand même les notifications. Si. Et je peux. Peut-être que je trébuche tout simplement sur la masse de cadavres que je suis en train de faire. Oui, mais si tu dis qu'il faudrait un bisou, comme dans le film, ça voudrait dire qu'il porte un masque? Un bisou? Non, je parle à. Ah, le zombie Spider-Man. Exact. Ah là, c'est ouvert. Moi, je vais récupérer tout ce que tu as cassé. Alors, munitions NATO. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, puis il n'y a pas grand-chose d'intéressant, donc on peut avancer. Non, c'est pas Resident Evil. Qu'est-ce qu'on a pu se... C'est Resident Evil. Non mais je veux dire le premier, quand t'as des portes qui s'ouvraient, qui... Ah oui, donc le ketchup, donc ça c'est un petit truc que certains vont comprendre. Voilà. Ah. Alors, tu vois rien. On voit juste le ketchup, hein, on te voit pas. Oh. Ouais, bon c'est bon. Ah tiens, il y a un tournoi qu'on l'a oublié. Surtout pour des munitions 9mm, moi je prends. Tu m'as tué avec le coup du Scooby-Doo. Quel Scooby-Doo? Ah oui. Ah oui. Ah, arrête, demain, enfin aujourd'hui on fait une journée spéciale Halloween avec Scooby-Doo, arrête. Oui, tu sais ça, c'est bon. Bon, comme d'hab, je balance une grenade là-bas, donc que tu restes très loin. Survivors, come on. We have to help them. Voilà, donc évidemment ça on le fait à chaque fois. Right. Je te dis tu restes loin, mais toi tu te prends. C'est très bien que moi j'y vais au couteau. Donc je préviens quand même que je balance une grenade, mais ils font droit dehors. Ah là. Ah oui. Et comment tu expliques tout le sang qui sort de sa gorge si t'es un zombie dans Scooby-Doo? C'est Scooby-Doo version plus 18, je peux pas tester. Oh merci. Aïe, enfoiré. Dis où que je te parle, grenade. Ah ça. Comme ça. T'as une grande gueule. Ferme, le bus.
Ah, je l'ai esquivé de peu. Parce que ça, c'est l'ambulance, mais le nombre de fois aussi que je suis mort à cause de l'ambulance. Enfin, je suis mort une fois à cause de l'ambulance. Oh, merci. Enfin, si c'était toi, merci. Ouais, j'ai esquivé le mec. Ah, il y en a un qui a besoin d'aide. Ah, c'est toi. Someone shoot the gas! Je laisse cet immense plaisir de tirer. Aïe, ah, après je me suis fait des dégâts de... Non, pas. Oui, tiens. Hey, come on! It's safer here! Ah ouais, l'explosion, est-ce que tu crois vraiment que ça les amuserait de foutre une putain d'explosion dans une ville comme ça et de tuer des gens pour de vrai? Hein? C'était un film. Aïe! Oui! Ah, c'est un point, ça me va. You think it's a motherfucking game? Ah, mais tu l'as pas senti, le tic-tac. Si. Ah, c'est-à-dire, moi, normalement, quand je prends le tic-tac, t'as l'endurance. Oui, mais quand même. Après, on se demande pourquoi Croix-Rouge manque de sang. Et ouais. Comme on dit, Chuck Norris, il fait beaucoup de donations à la Croix-Rouge, mais c'est pas son sang. Ah, il me reste un peu de pamplemousse, comme je disais. Dire. Et pourquoi que je faillis, j'avais pas terminé ma boisson pamplemousse. C'est pas sérieux. Un blue shot. Les zombies peuvent... Ah ouais. J'ai pas compris du tout ce que c'était l'astuce, mais c'est pas grave. Tirez-vous. Come on, man, open up. You gotta let us in. Je prends. Je prends tout ce qu'il y a. Munitions. Spray de pixel spray. Plein de pixel spray. Des grenades. Et quand même, là, je comprends pas. Pourquoi ils prennent pas les autres armes qu'il y a dans l'armurerie. Avec toutes les armes qu'il y a, genre les AK compagnie et les voire même lance-roquettes, s'il y en a encore. Regarde, tu vas me faire croire qu'avec tous ces fusils à pompe et long magnum, je peux pas en prendre un. J'en ai déjà un. Non, je veux dire les AK, mais hors histoire, parce que là, à ce niveau-là, on est censé avoir que deux ou enfin, trois armes. Un pistolet chacun. Un pistolet. Le fusil à pompe qui est commun et soit le couteau pour Léon ou le hyper à pompe pour Elina. Parce que là, t'as l'armurerie, t'as plusieurs armes. Tu peux le dire quand t'as besoin d'aide, tu sais. Léon n'a jamais besoin d'aide. Il change de personne. Ah mais rappelle, dans Resident Evil 4, tu t'es surtout servi d'acheter avec son armure, hein. Tu peux le dire que t'en es servi. C'est bon, hein. Enfin, je dis ça parce que j'ai fait ça, moi, dans le Resident Evil 4. Moi, je l'ai fait. Franchement, qui s'est pas servi de acheter avec l'armure comme bouclier? Tu es la plus fragile d'entre nous et ma mission est de te sauver. Pas devant! Aïe! Non, je vais l'appuyer. Non! Arrête. À chaque fois que c'est le truc avec A, j'appuie trop tard. Ça y est, maintenant, grâce à Turcake, Léon va devenir comme un deuxième Chuck Norris. Faut arrêter de dire ça, c'est même pas vrai. Oh, mais c'est le coup de la voiture qui m'a atteint la tête. Alors, comme ça, tu vois, moi, quand je fais cette prise, c'est qu'il meurt. Et franchement, les mecs en armure, j'allais dire punaise, t'as un chargeur dans Dead Island, c'est plus leur nom. Là, les mecs qui sont quasiment immunisés à tout. Et tu vois, lequel je parle. Non. Et tu sais, là, les premiers que tu croises à l'église, la deuxième ville, à l'acte 2. Oui. Voilà, ben, je pense à eux, moi. Dès que je les vois, je pense à eux, j'ai plus leur nom. Shit, my gun's jammed. Bah t'en prends un autre dans l'armurerie, tu vas pas piquer sur ta copine. Je pense qu'on va finir le chapitre et après on va y aller. Ah, bon, bah, le premier chapitre, on fait pas un after. Oh, tant pis. Je montrerai, j'en profiterai pour montrer les Resident Evil.net alors.
Ouais, parce que le chapitre, voilà, c'est... il s'arrête à l'armurerie, c'est-à-dire vu qu'on est à la fin. On est quasiment à la fin du chapitre. Non, il y a un petit peu quand même après. Ouais, ben c'est l'armurerie, c'est après, ouais, puis, le bus, et c'est tout. Oh, headshot. Moi, je te dis, j'aurais tiré un coup une autre fois. Ah, ça, c'est ça, c'est... Oh, il est mort. Demande à Eric Wolf et l'arme qui est passée à travers la map. Quelle arme? Il avait une super arme de la mort qui tuait et passée à travers la map. Ah bah bravo. Je l'ai jamais revu. Aïe. Va falloir que je me soigne. Merci. J'ai toute ma vie. C'est pas grave, au moins c'est considéré pour deux. Au moins. Allez, kick! On voit rien du tout, mais c'est pas grave. Je sais pas. Ah, laisse-moi le... Voilà, je l'ai décapité au coup de couteau, voilà. Loli. Non, c'est pas assez vif. Où est-ce qu'ils sont? Ah, j'ai eu une action là pour un... Monsieur, vous n'avez pas le droit. Non, oui, moi lui, il sera plus confort. Oh. Mais mec, c'est... Ah, ils t'ont rabaissé à leur niveau. Je suis pas en furtif, là. T'es en mode speeder, c'est bon. On a des armes, on est armé. On a des armes, on est armé. Et bien sûr. Bah ouais. On est armé, laissez-nous tranquilles, les policiers qui nous tirent dehors. Je sais pas sur quoi je tire, mais c'est pas grave. Là, j'aime pas ce moment dans l'armurerie, tu t'ennuies trop, t'as plus de zombies, c'est horrible. Et là, Cake, j'ai envie de dire, c'est là que t'es content d'avoir Logan. Parce que Boomerang, la compétence Boomerang de Logan, mais c'est cheaté! Logan, c'est le perso cheaté, je trouve. Et toi, tu prenais toujours la chinoise, c'est ça? Ah, mais l'autre, il me rentre sa porte en pleine tronche. Tu prenais toujours Xian, c'est ça? Thomas. C'est tout. Ah, moi, non, je prenais Sammy. Ah, moi je prends Logan, je trouve qu'il est cheaté, mais c'est pas permis quoi. Arrête avec ce truc de José Garcia, ok? Quoi? Ah oh, punaise, c'est trop... Non, le skin de José Garcia est juste... Ah, cette image. Je vais me débarrasser des cartouches de... des grenades incendiaires. Parce que... Voilà. Ah punaise, j'ai trop de plantes. J'ai trop de tic-tac qui ça peut faire. Oh, il a explosé. Oh, c'est dommage. Oh, il est mort. Sur le chat, ils sont avec les cookies. Ah, déjà que rien que Cake est mouchou. C'était avant les grandes histoires d'amour sur les cookies. Alors maintenant, si Alex se met à faire des cookies, ça va pas le faire. Oh. J'arrête de jouer, je vais prendre mon couteau. Arrête. Toi, t'es mort. Moi aussi, moi je vais prendre mon fusil à pompe, on est mort. Toute la police! Aïe! Non mais l'autre, elle me saute dessus, sauvage. Ah d'ailleurs, faut que je pense à enregistrer des épisodes de Doctor Who. Ce qui a rien à voir avec Barthélemy. Ah, faut que je pense à enregistrer des épisodes de Doctor Who tout à l'heure. Ouais, c'est pas grave. Et
tout à fait normal. Dans le plein invasion zombie, la première chose que les gens font, c'est le tombeau. Ah, attends, je vais le soigner. Ça m'a pas soigné. Mais c'est le but. Ah, une bombe télécommandée. Oh, ça c'est parfait. Oh, joli. Voilà. Franchement, ce live n'est pas sérieux du tout. Ah, alors j'imagine même pas si je suis Perfect Dark ou GoldenEye. Ça va être pire. Ça va être pire, on va parler d'un truc qui a rien à voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Fouillons un peu. Mon dieu, il y a Alex qui vient de se réveiller, qui rentre dans la chambre. Non. Ce troll. Alors franchement, je crois que la tête... Alors franchement, je vais le dire, n'utilise pas les armes qu'elle est censée avoir, mais rien à faire. Oh. Double game, bitch. Non. Merci. Ouais, franchement, eux, c'est les pires éliminés. Quand t'as pas les armes, c'est galère. Alors, qu'est-ce qu'il y a là, les autres tuyaux? Ouais, tout. Calibre 12. Herbe verte, yeah. Imagine le mec en train de lancer dans la chambre. Putain, mais vous cassez les couilles. Qu'est-ce que tu fais? Vite, tout... Oh, toi, to the TARDIS. To the Batcave. Non, encore mieux, dès que tu comprendras. To the Pedro Mobile. Ah, les délires, c'est magique. Mes petits délires, c'est magique. To Narnia. Oh, mais il est tombé. Franchement, c'est pas du tout scripté, hein. Et en plus, elle a piqué comme encore alors que c'est un écran noir. Non! Interdiction! Reste de la gâchette! Oh! Non, il y a le pompier, il va avoir un pompier, tiens, s'il t'aime le feu. Non, attends, attends qu'il passe la frontière, moi. Ah oui, j'ai fait un Nike qui est mort. Dixit, le mec qui peut... Dixit, le mec qui fait que il tape dessus. Rien à faire. Voilà, contre-attaque aussi. On se tranche. Ah, il est mort. Parce que ça, généralement, ça les tue, ça. Enfin, dans le mode mercenari. Le fish. Magique? Non, pas si... il est pas magique, celui-là. Oh. Oui, t'as raison le chinois, j'ai rien compris, mais je suis tout à fait d'accord. To the street. Oh, contre-attaque. En plus, j'ai même pas fait exprès. Ah, ça, c'est pas beau, pardon. Il y en a un qui aurait pu venir m'aider, bande de PNJ à la con. Hein. Leon. 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 Je suis occupé, là. Tu ramènes tes miches tout de suite. D'ailleurs, je tiens, par magie, je vole. Regarde, je vole. La plaque d'égo est ouverte, mais je vole. Et elle avance. Non, voilà. Bonne nuit, Cake. De toute façon, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Bonne nuit, Cake. De toute façon, c'est simple, c'est fini. Hein. C'est, je veux dire, voilà. C'est... Ah, tu as manqué vraiment plus rien, là, sur ce niveau-là. Aïe. Je suis sous acide. C'est tout génial ici. Ah mais punaise.
Arrête avec l'acide. Les mecs, ils ont le tout droit, ils explosent. Ils sont trop fous. Go, now! Roule, Raoul. Allez, Raoul. Oui, Raoul, c'est bon, comme ça on finit le chapitre. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Oui, Raoul. C'est bien, Raoul. Tu nous as sauvé la vie. Voilà, alors, fin des chapitres. Jusqu'en enfer. Ah, mais tu l'avais pas fini le premier chapitre? Non, bah non, parce qu'on a été coupé à cause de ma connexion. Ah oui. Bien que... Ah bah voilà, quoi, bah comme ça on va profiter un peu pour montrer le... Oh, j'aime. Oh, on a le même score. Sauf que c'est moi que j'ai fait plus d'ennemis et t'as une meilleure précision que moi. Ouais. Ah, évidemment, il y a tous les trophées là, enfin les chapitres. Il y aura une fois aussi. Ah, punaise, c'est vrai. Dommage, ça, j'aurais pu avoir S. Mais on va en profiter pour montrer le... les compétences, les habits. Ah tiens, je peux choisir bis maintenant. Moi j'ai ça niveau 3. De toute façon voilà donc les habilités, donc ça c'est une spécialité, c'est un nouveau truc qu'il y a dans les autres livres. Quand même petite notion pour la musique de habilités, moi je trouve que ça me fait trop penser à... Tu vois pour toi moi ça me fait penser à... Ah punaise, j'ai oublié. Comment ça s'appelle? C'est Lost Planet. Moi ça me fait penser à ça, moi qui ai fait Lost Planet en long, en large et en travers avec... Vite fait. Non mais de toute façon d'un côté c'est Capcom, faut... Moi aussi. C'est Capcom, voilà, c'est... tu peux pas tester. Donc évidemment, donc pour montrer ça, on a droit à 3 capacités par choix, donc moi je choisis combat, thésaurisation, donc tout à l'heure c'est pour ça que des fois que mon équipier ne voyait pas toujours tout, c'est parce que moi j'ai un truc qui permet de faire tomber plus d'objets, et réduction des dégâts, donc... On peut avoir... plein de choix, plein de jolis trucs, du genre on a une meilleure attaque... Enfin, pour avoir de meilleures attaques contre un certain type de zombies où ça augmente la perforation, il y a esprit d'équipe, il y a des trucs pour le solo, plus de munitions. Il n'y a pas des trucs qui se décalent une fois qu'on a fini le jeu à entier. Enfin. Hein, moi ça me fait trop triper cette musique. Donc Eh mais attends, peine de mort, je l'avais pas ça. C'est nouveau ça. Peine de mort, c'est 55 000 si je... Parce que oui, j'ai un petit écran. Augmente grandement la puissance de votre dernier tir. Je pense que ça, quand t'es mourant, je trouve que c'est pas le plus bête. Non, c'est tout simplement le dernier tir de ton chargeur, mais c'est pas grave. T'es sûr? Oui. J'ai pas pour moi, peut-être. Donc, bon, pour terminer, moi je... Donc on va montrer un peu Resident Evil point net. Si j'arrive à me connecter parce que c'est galère à se connecter. Non, je vais juste lancer le jeu histoire que je la sauvegarde. Ah donc on va lancer donc. Donc avec toi. Après direct. Pour te dire, c'est déjà synchronisé. Donc tu vois, on vient à peine de finir le chapitre que c'est déjà synchronisé. Le jeu se synchronise tout seul, c'est magique. Donc bon, moi je vais couper le ça. Oh, si, je vais montrer un peu la fin quand même. Non, je veux pas. Donc, on va couper, et après, moi, j'ai utilisé mon super mobile de la mort qui tue pour couper. Vous savez, on va dire, ça fait un petit teaser du chapitre 2. Parce que c'est vraiment là que ça commence à devenir intéressant. Voilà, ouais, c'est ouais. Vraiment que je commence. Ah, parce que le chapitre 3, on va dire, c'est la gnognotte, c'est. On a fait un rush kit. Ouais. Rush kit. Ouais, donc moi j'abandonne mon équipier, j'en ai rien à faire, je fais ça le traître. Oh, je suis trop statique. Ouais. Donc je vais juste synchroniser. Donc maintenant on va. Hop. Attention, pouf, il va y avoir que pixel spray. Donc on va rajouter une zone de l'écran. Si j'arrive. Voilà. Bonjour. Donc voilà. Ça a été, voilà. Donc ouais, ça c'est bon, si tu le vois, bon c'est pas.
Ça, c'est le site residentevil.net. Donc, c'est un truc qui a été mis exprès avec le 6, évidemment. Je disais, il y a tout ce qu'on fait en ce moment, donc bon, ça s'est pas encore synchronisé. La dernière synchronisation, c'était ce matin. Pourtant, j'ai pas le jeu de mon foie. Pardon. Donc là, on peut voir progression. Donc là, bon, il y a, ça s'est arrêté au chapitre. Ah si, chapitre 5, c'était pris en compte qu'on a fini le jeu tout à l'heure. C'est pas magique ça? Hein? Thomas? Oui, ça tu parlais? Je disais que ça a été déjà synchronisé que le par rapport à ce qu'on était tout à l'heure. Ah oui, mais moi il faudrait que je refasse le chapitre 5, je suis dégoûté. Oh t'es deg. Ah, donc évidemment, donc après on peut mettre ses figurines. Bon moi j'ai commencé, ça sert absolument à rien. Ah donc voilà. Donc après il y a des trucs que je comprends pas, c'est en japonais, donc je laisse ceux. Donc ouais, par exemple. Aïe. Ah c'est vrai que vous avez. Il y a encore la musique du jeu, ça tombe. La musique du jeu, je vais la mettre en fond. Bon, on fait quoi? On arrête là? On va arrêter là pour ce soir. T'en penses quoi? Bah, je pense, oui, plutôt. Je me dis plus, je parle. Je pense donc je suis. Oui, donc bon, on s'en fout. Je vais arrêter sur une phrase philosophique. Non. Sortie par un prof de maths qui est totalement teubé. Non, arrête. Disait... Arrête. Tu. Laisse-moi finir. Qui disait Socrate a dit je suis, je pense. Je pense donc je suis, mais c'est pas. Merci, je fais philo, je sais ce que c'est. Donc du coup. On l'a perdu, ça. On l'a perdu, bon, c'est pas grave. Non, j'ai fini en saut. Donc je vais présenter rapidement le site horizontal.net. Donc c'est vrai qu'on va voir tout son tout le résumé, on va dire, de ce qu'on a fait en ce moment. Donc là, on peut voir que j'ai fait Léon tout à l'heure en entier. Après, donc il y a, comme je disais tout à l'heure, il y avait les trucs. Donc là, c'est finir en solo. C'est précis de finir le chapitre 1 le plus rapidement possible. Donc là, le record est tenu de 34 minutes en France. Après, il y a les armes un par un. Donc... précision, si je me trompe pas, voilà les armes précises. Après, qu'est-ce que nous avons objet utilisé de soins. Donc ça doit être l'esprit, ça doit être les tablettes, en fait, je pense par déduction. Après, les sauver, donc... je comprends pas du tout le japonais. Sauver... La distance parcourue. Oh, je comprends rien. Ah ouais, des véhicules utilisés. Bon là, il n'y en a aucun, sauf en moto des neiges. Bon, ça c'est... Il n'y en a pas avec la campagne de Léon. Après, ce qui est surtout le grand avantage, c'est on peut débloquer des objets. C'est magique. C'est des objets qu'on peut débloquer. Donc on peut avoir les costumes pour le mode histoire. Enfin, je suis pas sûr, mais ça c'est à confirmer. Les trucs pour le dire à Marama qui fait, servent à faire joli. Les icônes pour là. Et les fonds d'écran. Donc, donc, on va dire, c'est un peu à pas grand chose. Donc, voilà. Donc, moi, je vous laisse pour ce soir. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi le premier chapitre de. d'avoir terminé le premier chapitre. Pardon. Ça fatigue, ça commence. Et que. Oui, c'est qu'on a eu du mal à démarrer. Donc, je suis désolé. Donc merci encore d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine et peut-être à la semaine prochaine si j'ai le matériel si sur je pensais faire GoldenEye ou Perfect Dark mais la version 64 pas le les fans non battez pas sur moi vous ça je vous aurez tous non je plaisante ça sera coupé au montage je plaisante ouais. On se quitte sur ça yes. Ça claque. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça claque. Et merci beaucoup.